remets mon bloc-notes. Et on part sur la game suivante. Et c'est la France. Bon, déjà. C'est une partie France. Alors, on est sur la D966. Donc déjà, je pense, en théorie, je devrais trouver un peu mieux quand même. Merde. Vouton haut. C'est bizarre comme on me dit. Ah merde, ça c'est la région, je suis sûr. Spado. Vallée de l'Orne. L'Orne, c'est la montagne. Parce que c'est là qu'ils vont miner, les nains. Oh. Ah, là j'ai une grosse île. Neuchâtel. Neuchâtel. Château. C'est Dreux ou Greux? Greux. Merde. Neuf châteaux. À 18. Au sud. Et là, il y a quoi? Bar-le-Duc. Mais putain, c'est quoi ça? 9 châteaux. 9 châteaux! Ah bah tiens, je connaissais pas. Bah j'ai trouvé. Donc j'ai dit 9 châteaux est au sud sur la D900 quelque chose. D966. Est-ce que je vois une D966 quelque part? Ici. On est à Voton haut. Et on y est rentré comme ça, je dirais. Autre point de départ, je suis allé au à l'ouest. Attends, je suis allé à l'ouest, enfin nord-ouest pour rentrer dans le château. Donc en fait non, on est là. Et là il y a la rue de la Bâtière, c'est ça? On n'en sait rien, évidemment. Ok, non mais c'est ça de toute façon, et puis ça tourne un peu à droite après. Ouais, c'est ça. Donc, si je me plante pas, il y a une petite route qui se barre par là. On est complètement ici en fait. Guess. 13 mètres. Ouais, ouais, je me suis même pas mis sur la route. Aïe aïe, c'est les 5000 points. C'est plus facile la France quand même. Ok, donc je vais pas pouvoir aller par là, mais on est au bout d'une route. Oh. Oh, ça c'est bien en fait. Hein? Attends, oui, qu'est-ce que c'est ce délire? Oh putain. Non, il y avait des infos. Ah, il y a un point qui s'est mal foutu. Oh, c'est vraiment de la merde. Je pense que c'est le GPS du truc qui a bugué. Et puis, il y a la 5. Alors, A6, A5, qui est là. Part pas de l'autre côté, hein. Non. Lieu saint, moi aussi caramel. On va noter lieu saint, moi aussi cramaïel. Sur une grande route, hein, en vrai. Je pense pas que ce soit l'autoroute, mais. Ah non, puisqu'on on peut rejoindre la 5, mais c'est quand même une grosse route. Genre par là, il y a un gros routon. Carré Sénard.
pas loin de la 5. Carré Sénat. Ça a clair la 5. Carré Sénat, carré Sénat, carré Sénat. Est-ce que j'ai un truc comme ça en coin? Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a une route qui vient d'être construite. Ah, mais on est pas loin de Paris en vrai. Sûrement. C'est un 0-1 ça aussi? Ouais. On doit être dans le coin en vrai. Je vois un truc qui s'appellerait Carré Sénat. Pas être loin de Paris en vrai. Peut-être pas loin à ce point là quand même. Berlin. Je me rends pas compte d'où est-ce que finit les 0-1, mais bon. Est-ce que j'ai d'autres directions? Ce serait bien. Grosse direction ça. Saint-Germain-les. Lieusaint et Moissy. Lieusaint et Moissy. Là, je m'éloigne trop, je pense. Ah, mais je suis à... Département de l'Essonne. L'Essonne, c'est genre là. Je rentre dans l'Essonne en allant à l'ouest, donc ouais, on doit être genre par là. Il y a un énorme rond-point. C'est toujours les sons à gauche là. Ouais. Oh putain, je me suis quasiment mis dessus en plus. Oh, trop bien. J'ai eu de la chance sur celui-là. Ah oui, Dieu Saint. Putain, je l'ai pas vu du tout. Dieu Saint et moi aussi, machin. En vrai, on était pas loin de Paris, hein. Je connais pas du tout ce coin-là. Côté d'Evry. Corbeil-Essonne. Ok. À mon avis, je pense qu'on pouvait trouver des... Genre si on allait là... Ah, j'aurais dû aller vers la 5. Parce que, à mon avis, on aurait pu trouver genre le numéro de sortie ou un truc comme ça. Enfin bref. Peu importe, c'était quand même déjà pas mal. Next. Encore des champs de maïs. On va aller vers le nord, vers l'ouest. Ah. Ok. De toute façon, je peux aller que par là. Je suis peut-être parti du mauvais sens quand même. Ok. Oh putain, c'est la bonne France paumée. Hein. Est-ce que je vais avoir des infos? Une info, s'il vous plaît.
Même un numéro de téléphone déjà, ça me suffirait pour savoir dans quelle région je suis. Enfin, si je me fais pas avoir, parce que je sais pas, ce soir je confonds 0405, hein. Il n'y a pas de panneau. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Oui, mais non. Allez, allez, avance. Est-ce que je n'aurai presque un panneau? Je vais trouver un panneau, mais pas du tout. Une putain de charrette bleue. D'accord. Juste une maison, génial. Franchement, même là, la végétation et tout ça, ça me parle pas. Mais putain. Mais non, je vais aller là. Je peux pas aller là. Non. Il avait l'air d'avoir un peu plus de maisons, donc potentiellement un peu plus d'infos, mais bon. Quel putain d'enfer. La mythe commune de Le Quing. La hit, pardon. Le Quing. D75B, ce serait peut-être bien le noter, mais bon, j'arriverai jamais jusque-là, mon ami. Vu le peu d'infos que j'ai, Saint-Ignan, Montrejour, Lot. Youpi, on est content. Putain, j'ai zéro info. Alors, comme c'est un peu attends, ça c'est, à mon avis, ça c'est pas intéressant, mais alors ça peut l'être. Ça avait l'air d'être un truc de travaux. Et des fois, les régions et tout ça qui sont marquées. Conseil général. Non, c'est illisible. Messieurs, on est à Le Quing. Alors je préviens, hein, je sais pas comment ça se prononce. Ça sert à rien de me dire comment ça se prononce, je n'en sais rien. Intéresse que moyennement. J'aurais déjà oublié cette commune demain. Porte de R. Pinasse. Angevine. Ouh, il y a un EHPAD. Putain, la vache. Ah merde, il y avait un panneau. Il y avait sûrement un numéro de téléphone. Histoire de. Où. Bah je sais pas. Bon là t'es... Putain. Je crois que ça va être coup dur. Et oui. 314... 319 points. Putain, franchement je me demande comment est-ce qu'ils ont eu des infos, hein, parce que... Ah oui, non, il s'est mis sur la route en plus. Je suis vraiment pas allé au bon endroit, hein, à mon avis. J'ai eu zéro info, quoi. À mon avis, je vais pas être le seul à avoir eu zéro info sur ce round, parce que...
enfin j'espère. Il y a un panneau là. Et des volets. Ok, donc déjà on dirait qu'il y a une autoroute. Ce serait pas mal si on pouvait aller dessus. Yes. C'était pas une autoroute, mais au moins une grosse route. On a accès à la 9, le gros du roi, Montpellier, à l'ouest, on est pas loin de la 9. Ah non, la 9 est à 32 km, Montpellier est à 29. Aigues mortes. Le gros du roi, je connais pas du tout. Ah, c'est là le gros du roi. On est à 6 km du gros du roi, Aigues-Mortes. Aigues-Mortes est à 2,5. Donc on doit être genre là en fait. On doit être par là qu'on a commencé. Parce que là, attends, on est sur une route qui fait. Ah non, on est sur une route qui fait est-ouest. Donc on a dû arriver de là. Donc, ouais, si, genre là. Si merde, si je vais par là, j'ai un rond-point. Yes, ça c'est bien la D, je sais pas combien, je suppose D62. Yes, ok. Donc, retour au point de départ. On est sur une route. Elle fait un petit virage avant de se mettre sur une route qui fait est-ouest. Ça. Mais c'est clairement là en fait. C'est clairement ce truc. Attends, non. Parce qu'on est au sud. On est genre là. Je vais vérifier. Là, on va à l'est. Je me suis TP à travers. Je suis monté direct. Ouais, non mais si, c'est genre... genre là. Ça serait bien d'avoir les noms de route, en vrai. Ah, il y en a un là. Rue... c'est illisible. Basile. Pas du tout, du coup. Je suis vraiment à côté de la route qui fait là. En vrai. Ah mais si, c'est peut-être ça en vrai. Ouais. Il y a un autre chemin qui fait vers le sud. N'importe quoi avec la boussole. Je vais vers l'est. On est là. Pas du tout. Putain, je sais pas où on est. Je suis fatigué. Il y avait une onde rue. Rue en André Chanson. Mais je vois rien de tout ça. Vas-y, André Chanson, on est là. Oh. Ah, je me suis mis un peu loin, mais bon. J'aurais dû retourner au point de départ. 4999.
c'est pas mal. Ah, c'est un cul-de-sac. C'est cool. Moi, je risque pas de partir dans le mauvais sens. Alors. Côté des pompiers. Rue René Coty, encore ? Village Fleury, ouais merci, mais quel village ? Essayer d'aller vers l'église, hein. Bon, au centre-ville, on aura peut-être des directions. Ce commerce m'a pris pour les travaux. Ok, ok. Ça là est un grand axe. Les panneaux que je vois là-bas? Pas du tout. Pas du tout. On va essayer de retourner vers l'église. Il ne devait pas être par là. Un centre de tatouage. Ah, nom de la ville là-dessus. Quoi? J'arrive pas à lire. Quelque chose là. Oh là là. Pas lire le nom de la ville quoi. Pensez à nous, rouler tout doux. Cette musique épique. Numéro de téléphone, toi, 03 1 2 3 1. Bailleuil sur terrain. Terrain, pardon. Bailleuil sur terrain. Ça est une ville, hein, donc peut-être moyen de la voir. La buissière. Bien d'avoir des panneaux. Ah, là il y a des panneaux. Autre direction, yes. Rue Saint-Pierre. Ça m'aide beaucoup. Commune de Bresle, on est chez Bresle. Alors c'est peut-être Bresle. Je sais pas où c'est. On va aller voir vers autre direction s'il y a des trucs plus détaillés, mais il y a une voie de chemin de fer déjà, c'est intéressant. C'est une autoroute ça. Là, on peut aller dessus. Allez, monte, monte. Monte là-dessus. Il y a des infos. Vite, vite. Alors, on est sur la N31 à 6 Amiens. Amiens. Beauvais-Rouen. Ouais, on est dans le coin, vers la 16. On est sur la
Ah, j'avais pas le temps. Ok, et donc on était à... À Brel. Ça se voit quand même d'assez loin, mais bon, fallait savoir que c'était là, quoi. Mais bon, ouais, j'aurais trouvé ces infos plus vite, ça m'aurait bien arrangé. Aïe, 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 j'avais zéro info sur ce point-là, quand même. J'avais dû aller du mauvais côté. Oh là 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 là. Ah putain, ils ont tous fait des scores de ouf. Ouais, 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 ouais.